bonsoir, je suis Stardust Dice. Ah, comme Mom Lennon, bien joué. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en compagnie d'X Rouge et de Stardust Dice. Et oui, nous sommes deux pour vous présenter un bon gros blockbuster que l'on attend depuis déjà 6 ans. Il s'agit du jeu de combat Dead or Alive 5. Voilà. Petite précision, Stardust, voilà, ça fait 6 ans qu'on l'attend. Et il était sorti en 2006, si je me souviens bien, sur Xbox 360. Oui, exactement, le quatrième volet était sorti sur 3.6. Et donc, suite à ça, ils avaient annoncé un cinquième volet. Et depuis, on l'attendait, donc 6 ans d'attente pour enfin ce jeu de combat qui sort sur les deux plateformes, la 3.6 et la PlayStation 3. Bon, d'accord, c'est un jeu en console de salon, quoi. On va faire donc du coup un combat et on va jouer ensemble pour vous présenter ce jeu de combat. Vous voyez qu'il y a différents modes de différentes difficultés, pardon. Kazumi. Ouais, mais je viens de comprendre que j'ai fait une boulette. Non, c'est du versus qu'il faut qu'on fasse pour qu'on puisse jouer ensemble. Effectivement. Ce n'est pas le mode arcade, autant pour moi. Donc il faut qu'on aille plutôt en versus. Le jeu est édité et est développé par Tecmo. Ce jeu est sorti le 27 septembre 2012 et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans. Parce qu'il y a des boobs. Bon, très bien. Blague à part. Nous avons combien de persos au total? Nous en avons 24, le rooster en compte 24. Nous avons une perte, il n'y a plus Léon, le fameux italien de 47 ans. Ouais. Et là, il y avait les deux nouveaux persos nommés Rig et Lila, c'est ça? C'est ça qu'on montre. Les trois persos à débloquer en dessous, ce sont trois persos de Virtua Fighter, c'est ça? Et ouais, effectivement, il y a trois personnages de Virtua Fighter 5 et deux autres plus tard à débloquer. Bon, d'accord. Donc, pour inaugurer ce mode de combat, vous voyez qu'il y a toujours les tenues. Donc, moi, je prends Kazumi et Stardust prend Itomi. Et on va prendre les deux nouveaux persos, tout simplement, pour vous le présenter. C'est ça. À noter que j'ai changé la difficulté, je suis passé de 2. Oui, car je ne suis pas un gros adepte des jeux de combat, je ne suis pas comme toi, Stardust, je ne gère pas. Je nous ai mis en 4, qui est la difficulté de base du jeu. À voir qu'il y a plusieurs maps, comme vous pouvez le voir, mais bon, je vais sélectionner un random dans un premier temps. C'est un jeu aussi qui a eu quand même. Bon, on évite d'habitude les références, mais bon, qui a eu quand même 18 sur 20 sur JV.com, notamment par son graphisme largement amélioré. Clairement, oui, on a enlevé le style un peu manga qui était forgé sur la diverses séries depuis longtemps. Et voilà, c'est plus, je trouve ça plus adulte, niveau graphique. Franchement, ils ont fait un gros travail là-dessus et franchement, il y a rien à dire, quoi. C'est beau. Les combattants maintenant, ils me fais défoncer. Oh, je vois ça, plus te fait enchaîner. Non, mais tu parles, non, mais c'est très bien, comme ça, tu vois, les gens, ils vont t'écouter. Moi, je fais de la merde. Oh putain. Et pendant qu'on parlait des choses à débloquer, de toute façon, je vais te switcher bientôt, mais bon, je vais faire la mort, voilà, parce que j'ai perdu tout. Moi, on part. Oh putain, je te défonce. Mais en parlant de perso à débloquer, il y a aussi, tu m'avais dit, Alpha. Qui c'est qu'il y avait aussi? Alpha combien déjà? C'était qui? Alpha 152, ouais. Le clone de Kazumi qui était déjà dans les droits. Putain, je me fais enchaîner. Ouais, non mais, difficulté numéro 4, franchement, c'est pas. C'est pas qu'on est mauvais. Enfin, si, là oui, mais je vous jure. Difficulté niveau 4, c'est vraiment affolant dans le mode versus. Je vous l'assure, mesdames et messieurs, niveau 4, c'est vraiment cheaté. Il y a 10 niveaux de difficulté. Franchement, commencez bas, c'est un conseil que je vous donne, sérieusement. Ouais, l'IA était vachement augmentée contrairement aux autres volets. C'est pas plus mal parce que. Si, moi, ça me fait mal, moi. Ouais, mais moi, justement, il y a un challenge. Ah ouais, mais moi en plus, je suis pas du tout en matière de challenge, moi je reste en normal, mais là, c'est quoi? C'est plus que normal quoi, 4, on fait même pas, tu vois, c'est 4 sur 10. Ensuite, je me fais défoncer. Je me fais défoncer la gueule. Oh mon dieu. Oh, je fais rien, je me fais dégommer la gueule. Mon dieu. Non mais, en plus, comme ça, ça nous montre à quel point les deux nouveaux persos sont assez abusés, notamment Rig qu'on voit là.
Il est très rapide et fait des dégâts, mais complètement abusé. Mais Mila, qui fait du kickboxing aussi, j'ai combattu contre elle. Ouais, elle m'a fait quand même assez mal, je trouve. Aussi. Oui, effectivement, les deux persos là, ils sont franchement abusés, je trouve. Mais... C'est le cas de le dire. Oui. Mais oh yes, un, tu vois, franchement, il y a du suspense. C'est une bonne vidéo. Jusqu'au bout, c'est parti. Ouais, prends ça. Je savais que j'aurais pas dû faire cette vidéo avec toi, mon gars, ça va partir en couille. Tu l'as voulu. Oui, non, mais je t'ai pris par tes connaissances de Dead or Alive. Je prends toujours des personnes, dont même Tramalka, que tu connais personnellement, qui avait fait la vidéo d'Assassin's avec moi. Je prends des personnes qui ont après qui connaissent un minimum le jeu pour pouvoir en parler, car ce ne sont pas des jeux auxquels j'ai l'habitude de jouer généralement. C'est professionnel. On t'envoie le bonjour. Dédicace à toi, Tra. À parler du jeu aussi, c'est affolant, c'est affolant. On n'entend pas beaucoup, bon, parce que je mets en priorité les voix sur le jeu. Mais ta gueule, putain. Mais le background, la musique, les musiques background sont assez variées. Oui, effectivement, là on retrouve du rap, du rock, des musiques assez chinoises. C'est souvent l'environnement et les personnages contre qui on joue. Et non, la musique est très bien foutue dans ce nouvel opus. Ouais. Ouais, bah... À part ça, voilà, quels sont les gros points que toi tu as notés et les mauvais, parce que voilà, c'est toi que j'invite, c'est plutôt à toi de faire une sorte de coming out sur le jeu. Donc ce que j'ai noté, franchement, j'étais... Défense là, ouais. Défense. Ouais. Ouais. Yes. Et de 2-1. Finish. Joli. Boobs. À noter la transpiration sur les habits. Effectivement, on voit la transpiration sur le visage et même sur les habits, la saleté et tout ça, c'est vraiment. Je pense que, ouais, mais il faudrait plutôt, je pense, changer de niveau quand même, parce que attends, là, on se fait quand même assez défendre. On va changer de personnage. Oui, voilà, plutôt. Tu vas prendre qui? Mon personnage secondaire, parce que Tony c'est ma principale, j'aime bien Tina aussi. Ouais. Tina. Donc voilà, moi, tel que du qui se respecte, après Kazumi, je prends Ryu Hayabusa. Oui, vous l'aurez reconnu pour certains qui ne connaissent pas Dead or Alive. C'est un personnage d'abord qui est sorti sur Dead or Alive et qui après a fait l'opus sorti sur Xbox d'arcade, le personnage de Ninja Gaiden. C'est ça. Qui a fait 3 volets jusqu'à présent. Et les Sigma qui étaient des opus pour sortir sur Play 3, car c'était une exclu Microsoft à la base. Oui, mais comme Dead or Alive, je veux dire. Du fait que maintenant, oui, cet opus-là a perdu l'exclusivité de 3.6 et aussi sur PS. À vrai dire, il n'y a plus beaucoup de jeux sur les nouvelles consoles de salon qui gardent une exclusivité. À part Gear of War, Fable et Halo sur 3.6. Ouais, et les jeux de Naughty Dog sur PS3. C'est ça. Il y a même eu, par exemple, Metal Gear Solid, qui était une emblématique de Sony, qui a même eu son petit côté sur Xbox d'arcade. On pouvait acheter, je me souviens, je crois, le Subsistence, qui était sorti sur Xbox. C'est ça. De même pour Final Fantasy, qui est passé sur 3.6. D'accord. J'en reviens aussi aux cartes, voilà, j'en ai choisi une autre manière de vous montrer. Il y a aussi des cartes animées. Oui. On peut se prendre les décors et tomber dans une sorte d'autre notre background pour combattre. C'est ça, ben, quand tu me demandais les points à noter, ils ont fait voilà. Ils ont voulu reprendre les gros points forts des Dead or Alive 2 qui d'après la communauté est un des meilleurs épisodes. Que je suis entièrement d'accord avec ça, et justement c'était le fait en ce temps-là d'avoir des décors déjà qui étaient énormément animés pour l'époque, et voilà, ils ont voulu reprendre ça, et voilà, ils l'ont fait avec brio. Cependant, ils ont repris, je trouve, un peu trop de choses de Dead or Alive 2, c'est-à-dire la facilité par contre des combos. Ils avaient un peu rajouté la difficulté sur les autres plus, je crois, le 4. Mais là, ils sont revenus à une base de combos assez simple. Les contres sont très faciles à faire. Et je trouve ça un peu dommage parce qu'un novice en ligne pourra facilement poutrer un mec qui joue à des Borlags depuis des années. C'est ce que j'ai noté. Enfin, quand il m'enchaîne, comme on a pu le voir pendant que tu parlais, merci d'avoir caché la brillante défaite qui est en train de m'arriver en ce moment. Merci de me soutenir. Ouais, mais regarde, je te soutiens plus jamais, je prends cher dans ma gueule. Non mais voilà, s'ils prennent l'avantage, c'est impossible de les contrer, j'ai l'impression. En tant que tu tapes, voilà, là ils peuvent plus contrer, mais s'ils prennent l'avantage, bah tu te fais défoncer, voilà, tu vois. Oui, regarde, je me fais défoncer, ça peut arriver, voilà. Non mais à compter que voilà, je l'ai dit, on est au niveau 4 sur 10, quoi. C'est impressionnant. Les anciens de Dead or Alive, enfin le 4, je le trouve plus simple,
Car on le sait tous, je le répète à chaque fois, les jeux d'anciennes consoles ont cette difficulté qui est amèrement regrettée sur les nouvelles consoles. Or là, la difficulté a été largement améliorée et on retrouve ces jeux difficiles qu'on connaissait sur Play 1 ou même les bonnes vieilles consoles de salon. Voilà. C'est vraiment d'accord, hein. Pour le coup. C'est un truc qui a été largement amélioré. Sinon, à part ça, t'as cité les points forts. Les points que tu as cités ou pas? Je parlais de la technique de combo qui était très simple à faire. Tu m'avais pas dit qu'au niveau des personnages à choisir au début de jeu, qu'il y avait eu un mauvais point sur. Du fait que la série des Dorolive était basée sur quelque chose de simple et par rapport à un jeu de combat qui était un peu unique. C'est au premier opus, on partait sur un panel de personnages et au fur et à mesure des épisodes, on rajoutait des personnages sans perdre ce qu'on avait. Et là, pour la première fois, justement, on a des pertes et notamment Léon, un personnage que j'aimais bien. Peggy 16 Boobs. En parlant de défaite, on s'est fait défoncer. On s'est fait recommence. Ouais, on va retenter. Mais justement, tu parlais de ça, des personnages et tout. On est certes en mode arcade. Moi, je n'ai pas fini, j'ai même commencé, je dirais, à 1% du jeu. Le mode histoire, avant, on se consacrait à un mode arcade qui était en combien de stages à faire à peu près? C'était combien? 8, 9 8, je crois. Erreur, oui, 8 ou 9, je ne peux pas vous dire, c'est aux alentours. Et là, c'est vrai qu'ils ont fait franchement un effort parce que le mode histoire, c'était pas forcément le point fort des Devil's Alive. Si on choisissait un perso, là, il y a un scénar. Là, il y a un scénar et il y a un mode histoire à la Mortal Kombat. C'est-à-dire, il y a une histoire construite et elle se développe avec chaque personnage qui a son histoire personnelle. Et à force de faire le mode histoire, voilà, on conclut à une fin et chaque personnage a son utilité dans le mode histoire. Il est assez bien construit. Ouais. Et non, franchement, c'est un très bon point. Il y a eu beaucoup de boulot pour cet opus et on voit réellement. Je suis désolé, je me suis fait défoncer la gueule. Attends, ça va être mon tour. Elliot est maintenant, ils l'ont bien boosté. Maintenant, il a un bon charisme. Toi qui t'y connais un peu sur le scénar des personnages, Elliot, c'est qui l'avait entraîné? C'était le chinois de 62 ans, je crois. Le coéquipier de Lei Fang dans les anciens. C'était le vieux en vivant de l'être. Non, c'est ça. Oui, c'est celui-là, mais collectif de l'iPhone. Enfin, je veux dire, non, il y avait Jan Lee, je me souviens. Oui. Mais tu sais, Ayane était avec Ayate, Kazumi avec Ayabusa, et je me souviens, dans un des Dorolive, je crois que c'était le 3, parce que dans le 4, elle avait Jan Lee, si je me souviens, dans le 3, je la voyais avec... Contre, pour ça. Bien joué. Avec ce view. Moi, il a pas de coéquipière, sinon. Dans le 2, sa coéquipière, c'était Elena. Elena, parce qu'ils avaient... L'iPhone qui était toujours avec Jamie parce que voilà. Continue à parler, c'est bon. On a rien vu, oh là là. Et voilà, l'iPhone qui était avec Jamie parce que c'était son idole, elle vient toujours devenir comme lui. Et Genfu, voilà, il avait casé avec Elena jusqu'à créer Elliot, son apprenti, un Britannique. Qui dépassera les maîtres. Bon, et en parlant de dépasser, on s'est fait dépasser complètement. Encore une fois, non, là c'est pas possible le niveau 4. On est désolé, mais on va changer la difficulté, rien que pour vous montrer l'écart qu'il y a entre au moins le niveau 3 et 4. Il manquerait plus qu'on se prenne une défaite au 3 pour vraiment prouver qu'on est des grosses merdes dans ce jeu. Que je trouverais ça bien dommage, car moi je t'ai vu jouer et franchement tu te défends vraiment, c'est super. Autant j'ai fait d'autres jeux de combat, par exemple avec Night Terror sur Soulka qui gère assez. Là voilà, on était au niveau 4, on passe au 3. Voilà, t'es quelqu'un quand même qui se défend vraiment sur Dead or Alive et ce serait vraiment dommage qu'on se prenne une défaite. Si on a une victoire, je vous promets, mesdames et messieurs, on se stoppe là-dessus et on ne fait plus rien. On sort le champagne. Je reprends Kazumi, c'est une valeur sûre. Ouais, moi je reprends Itomi. Allez, c'est parti. Bah, on reprend les mêmes, hein. Bah, c'est Elliot. Bon, comme ça au moins on va vous prouver l'écart qu'il y a, qui va nous faire moins de prises, etc. Alors, on l'espère. On espère, ouais. On espère. Voilà, on va se revenir un peu sur le même background, on verra ce que ça fait. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Tu parlais après de Elliot, est-ce qu'il y a d'autres histoires à suivre? Je me souviens que dans un ancien, par exemple, si on reparle de Hayate, par exemple, on l'avait eu dans un opus qui s'appelait Aim. Oui, dans le 2. Parce qu'il avait perdu la mémoire. Il avait perdu la mémoire. Ce bouffin là. Ouais. Par le boss aussi, mais parce que voilà, la DOA Tech, le premier clone qu'ils ont voulu faire, c'était pas sur Kazumi, c'était sur Hayate, c'était le projet Epsilon. Ah, donc
Alpha n'est pas le premier soldat parfait. Non, non, ils ont voulu créer Psylon, qui était le clone de Hayate. De toute façon, il y a beaucoup de flashbacks sur le mode histoire. Justement, c'est pour ça que je le découvrirai. Et voilà. On va perdre. Ouais, non, mais en plus, je commençais à être dépité, tu vois. Heureusement, je t'ai laissé la parole parce que voilà, les gens ne me voyaient pas, mais j'ai fait un gros essoufflement. Là, j'ai fait un. J'en avais marre. Et on va se faire. Non, franchement. Attends. Écoute, est-ce que tu vas me battre les deux personnellement, non, tu vois, non, mais ça m'étonnerait peut-être pas de toi, parce que... Mine de rien, mais t'aimes ça, mon salaud. Tiens, prends ça. T'es en train de l'enchaîner. Tiens. Non, mais attends. Je vais faire le perfect. Trop d'écart de vie. Attends. Tiens. Trop d'écart de vie. Trop d'écart de vie. C'est possible. T'es un match. Non. Oh mon dieu, non, attends, il nous reste encore une chance, ça va, on va peut-être pouvoir y arriver. Donc voilà, on parlait de Ayn, etc. Donc Ayn, oui, qui avait perdu la mémoire. Hayate, depuis le 3, c'est ça? Ou le 4. Si je m'abuse, oui, depuis le 3, depuis la fin du 2 et du 3. Ouais. Effectivement, donc Itomi, qui avait connu Ayn, enfin Hayate quand il avait perdu la mémoire, était tombée amoureuse de lui, mais dès qu'il a retrouvé la mémoire, elle n'a plus son amour pour lui. Tu parles beaucoup là, tu vois, heureusement que je switch parce que t'allais te faire tous les deux là. T'allais avoir la gloire à toi tout seul, mon gars. Oh, laisse-moi arriver un peu. Mais attends, je suis puissant. Non, mais attends. Et je vais me faire défoncer. Tu changes pour faire ça. Non, non, franchement, si on fait une victoire. Oh, allez, attends, il faudrait. Non. Oh, merci. Tiens, je te relève. Pour te remettre au sol encore plus violemment. Oh, t'aurais pu me laisser faire le finish, mais. Yeah. Bon, franchement, mesdames et messieurs, si on a une victoire, on stoppe la vidéo là-dessus, ce sera bien. Il y aura deux pour l'ordinateur, deux pour nous. On va sortir sur un score de parité. Ce sera bien. Oh, je voulais parler aussi du mode en ligne. Alors vas-y, fais donc vite, qu'on arrive vers la fin. Ouais, un mode en ligne qui a été complètement remanié. Il y a énormément de modes de jeu. Mais il y avait un mode en ligne sur le code. Il y avait un mode en ligne, mais... J'ai pas le Xbox Live. Assez simple. Ouais, moi non plus, mais... Nous sommes sur Play 3, je rappelle. Hein. Il était assez simple. Maintenant, il y a énormément de modes de jeu, il y a des salons pour jouer à plusieurs en mode tournoi, il y a des modes classés aussi pour parce qu'on a il y aura beaucoup de tournois, je pense. Oui, je pense que ça va être un jeu avec beaucoup de tournois. Mais c'est vrai que maintenant il y a un rang, on commence on est au rang F, le rang maximum c'est le S+, E-, E+, etc. Bon. Et c'est en faisant des matchs classés qui sont basés sur la victoire, sur la défaite et sur le nombre de matchs que t'as fait parce que tu as cumulé. Ouais. Et voilà, c'était. Bon, bon, très bien. C'est très bien foutu. Et c'est vraiment une bonne pioche sur Dead or Alive 5. Autant pour les confirmer que pour ceux qui veulent essayer. Pour parler du mode en ligne aussi, il y a un truc pour limiter le temps de téléchargement aussi, je me souviens, tu m'as parlé. Oui, parce que les charges. On va juste le montrer pour faire la fin. Belle sueur. Oh là là. Donc belle. Juste pour montrer, parce que beaucoup de gens se plaignaient du temps de téléchargement, montrer juste où l'arranger pour finir la vidéo. C'est ça, parce que les chargements étaient très longs pour charger les personnages, les costumes et tout ça. Donc là, on va montrer vite fait qu'ils sont dans les options. Il y a un installer les données. On va le montrer. Bon. Options installer les données. Bon, ben écoutez, c'était une vidéo de présentation de Dead or Alive 5. Et ben merci Stardust et ciao tout le monde. Merci à toi et tout le monde.